J'aime bien ce petit coin ici. Fini. Le chien numéro 2. Volt. Le chien numéro 1. La maman avec ses grosses tototes. Le chien numéro 6. Jamais loin, forcément. Vicky. La petite Suissesse. Oh, regardez la petite Vicky de France. Oh là là. Oh là là. Et ici, donc, vous avez Vermeil. Le chiot. Ah, hop là, j'agrandis. On l'a pas vu. Le chiot, donc, à droite, hein, le chiot numéro. Oui, mais en deux fois ma puce. La Suisse te voit. Attends, ma chérie. Hop là. Attends. Hop. Viens là. Là. Voilà. Ça va. C'est bon. Hop là. Les petits gourmands. Regardez là, Vicky, donc, les premiers pas. Hein? Bon, je ne vais pas faire les vidéos personnalisées aujourd'hui. La journée a été assez longue. Mais au moins, en attendant, vous les voyez donc là, toujours entourés de maman, hein? J'aurais bien voulu les deux miss là. Et bon, ils dorment trop bien pour les embêter. Vous les verrez donc dès demain. Et là, c'est pareil. Regardez la poutinette. Vini. Ah, c'est son petit coin, elle. Hein. Ça fait plusieurs fois en fait. Hein. Je la mets un petit peu sur le côté avec les autres. Mais elle aime bien ce coin-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il la rejoint? C'est le chien numéro 3. C'est un peu gauche. Hein. Ils ont que 15 jours hein, de naissance, 2 semaines. Hein. Regardez-les. Oh là là. Hop. Aïe. Aïe, elle est arrivée. Allez, elle est arrivée. Mais t'es un petit peu trop près, ma chérie. Attends, je vais essayer de te prendre un petit peu. Hop là. Ouh là là. Ouh là là. Ah, maman, tu la caches. C'est pas sympa, tu la caches, ma chérie. Ah, elle est là. Coucou. Elle joue à cache-cache avec Nani. Ou avec ses parents, d'ailleurs. Enfin, avec sa famille. Parce qu'il ne faut pas oublier Julie, hein. Bah oui. J'espère sincèrement, ma petite chérie, que tu vas vivre de chouettes et sympas aventures avec Vicky, tout comme tu as vécu donc auprès de Gadou. De tout mon cœur, je te le souhaite en tout cas. Aussi longtemps, mais c'est pas plus, hein. Bah oui, regardez, le plus loin donc, hein.
de Staffordland, c'est 15 ans et 3 mois. Elite, dont on vient m'annoncer donc le décès. Hein. Je pense que c'était au moment de la naissance, hein, des petits aussi. C'était une gueule d'amour. Bah oui. Comme beaucoup de nos Staffies staffordlandais. Oh bah non, bah non, non. La nanny, elle arrête. Stop. Stop. Vous êtes trop gourmand. Bah oui. Non mais attendez, là je viens de vous donner deux biberons. Ça va. Stop. Stop. Même Vicky a pu le biberon de nanny. Vraiment, hein, c'est exceptionnel. Donc, c'est les deux dernières fois. Hop là, on se dit à bientôt. Dès que j'entends un petit peu trop mes loulous. Non, ça va. Ah oui, forcément, il y en a à l'intérieur, à l'extérieur. Donc voilà, ça chahute à travers les carreaux. C'est super, on s'amuse ici à Staffordland, non? Allez, ici donc vous avez Volt. Oh bah oui, qui vient d'être réservé. J'ai bien eu votre message, j'ai pas eu le temps encore de vous répondre. Mais je le ferai incessamment sous peu, c'est promis. Je vais pas vous l'envoyer cette nuit quand même, la réponse. Mais regardez, comme ça vous avez la réponse en direct. La journée a été assez compliquée, assez longue. J'ai dû emmener donc Vegas et Festieux chez le vétérinaire pour leur vaccin annuel. Eh bien oui, hein, il faut s'en occuper de ces petits loulous. Donc Festieux, hein, toujours pareil, 14 ans et 2 mois, qui va très très bien, qui va très très bien. Ça fait toujours plaisir. Hein. C'est quoi ça là-bas? Alors attendez. Mais oui, c'est la poupette. Mais ça va être un clown aussi, elle. Vinnie, regardez-la là-bas au fond. Tu me regardes, ma chérie. Bah oui, qu'est-ce que je raconte? Hein? Je dis que des bêtises. Bah ouf, t'as raison, va. Je dis que des bêtises. Mais toi, tu es affamée. Va t'éter, maman. Non, Nani, elle donne plus biberon. Va t'éter, maman. Regardez-la. Elle fait tout pour en avoir une. Mais t'en as une. Regarde, t'en as une là, louloute. Bah oui. Bah, là. Bah, doucement. Doucement. Voilà. Ça va. Tout va bien. Oui, je vais te donner une totote de maman. Allez, on se dit à bientôt sur Staffordland, bien sûr. Ok, à demain.